Donc, on reprend les trois conditions que l'on vient de voir, c'est-à-dire que pour développer une telle vue, il faut s'appuyer d'abord sur un être excellent. Ensuite, recevoir nombreux enseignements de sa part et y réfléchir, les contempler abondamment. Maintenant, la nouvelle notion, c'est qu'il ne s'agit pas d'écouter, dire simplement comme ça, mais tout et n'importe quoi comme enseignement. N'importe quoi, cela, j'ai d'abord. C'est ce que vous avez dit. Oui, c'est un peu dire. Quand je mange la radagne. C'est ce que vous avez dit. C'est ça, oui. C'est ça. Tu as dit, 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 tu as. Mais il s'agit en fait d'écouter des enseignements qui ont été. Qui sont issus, en quelque sorte, qui ont été validés et qui sont issus donc des grands pionniers, en fait. Des grands précurseurs. Nyamne, loa, sanje tawa chumi temba nyamne, temengi temba chibo lhaane, ten kaza da, ore temengi temba chibo lha, tejingi temba bora nyamne, de ore, de kaudu tala da, ani da tejingi temba ya, gochenga tabo chala bora, sojenga tabo chi, ani, shinda soje ni chumba res. Ani, 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 Shinda suji ni yores, di ni di di res, uma bata semtabe shinda suji ni yores. Di nanglo ne, ta shinda chimbu nami jizu chango sa shinda chimbu di, ane dola changi jaya gaya, ane shinda jie tonge, di. Nipapa tome to ya, disi yo. Ce qui ne va pas. Ici, il ne s'agit pas de regarder là-bas, il s'agit de regarder. Qui est-ce? Je suis promis que ce n'est pas moi. C'est Valérie, non? C'était moi, mais il y a quelques minutes, apparemment. C'est bizarre. Valérie parle tout seul. Je suis désolée. Elle bouge, reste comme ça, mais parle. C'est comme au Bouddha. Oui, c'est ça. Le Bouddha reste Nyambarshanian, tu es son Bouddha. Oui. Pendant la méditation, il donne son enseignement. Mais ça va, vous avez dit comme. Alors c'est que comme, c'est tout, c'est pas, pas de risque. Bon, alors c'est Valérie qui parle, maintenant c'est reparti. Il y a cette notion donc de pionnier ou de précurseur, c'est le même terme, hein, l'un l'autre. Habituellement, on parle des deux grands pionniers ou de grands précurseurs, savoir un précurseur du Madhyamika, pardon. Alors, habituellement, on dit précurseur de la vue profonde et de la vaste conduite. C'est, jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on les avait présentés, hein, en parlant de Nagarjuna et d'Asanga.
Là, dans le contexte, on pourrait dire, donc, et parce qu'on va parler d'eux, toujours pareil, mais finalement en faisant référence aux vues philosophiques, aux courants philosophiques qu'ils ont initiés, en quelque sorte, ou qu'ils sous-tendent. À savoir, donc, deux précurseurs, donc toujours les mêmes, un précurseur du Madhyamika, un précurseur de l'école Shitamatra. Voilà. Et en fait, ce sont les deux grands précurseurs. Précurseurs en quel sens ? Dans quel sens ? En ce sens que ce sont eux qui ont ravivé, en fait, le grand véhicule. Et pourquoi ces êtres, finalement, ont eu besoin d'exister ou ont eu besoin d'avoir ce rôle-là ? C'est parce que la doctrine du Bouddha Shakyamuni, donc, dans sa dimension du Mahayana, donc du grand véhicule, avec le temps, a décliné et seul a prévalu, donc pendant une certaine période de temps, le Theravada, donc le Hinayana. Et donc c'est pour raviver en fait cette doctrine du Mahayana que se sont manifestés, donc sont apparus ces deux grands précurseurs. Là, déjà, d'une part, son rôle, un changé, yagujie tonge jila, gokuri sin songare, c'est quoi? Mais tata jawa tanta dika dika. Shinda sun jinbo niye, niye. Donc, il est clair que lorsque l'on veut s'adonner donc, à une pratique qui relève du grand véhicule, donc du Mahayana, il importe donc de s'appuyer sur l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, donc de ces deux grands précurseurs. Donc, ceci étant, lorsqu'il convient de développer maintenant la vue supérieure, donc toujours pareil, hein, qui observe la vacuité, cette vue supérieure, là par contre, il convient de s'appuyer sur le précurseur qui est à l'origine du Madhyamika. En d'autres termes, il convient de s'appuyer donc sur Nagarjuna. Donc il faut s'appuyer sur le protecteur Nagarjuna. Et pourquoi en fait sur ce protecteur ? Parce que c'est ce qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas écouter n'importe quel type d'enseignement, il faut écouter des enseignements qui nous permettent de clairement distinguer donc, les points qui sont de sens définitif et les points au contraire dont le sens requiert une interprétation. Et pour comprendre cette notion-là, ou pour aborder cette notion-là, on peut s'intéresser à ce que le Bouddha a appelé les quatre phénomènes fiables, par exemple. Il y a plusieurs façons de traduire, mais fiabilité, ça fait un petit peu désuet comme terme actuellement. On pourrait dire les quatre fiabilités, mais les quatre objets ou phénomènes fiables. C'est un temps de dire, je crois. Allez. C'est un temps de dire, je Tadi ini kan ya, tanda kangsa lama tu, tadi si di karya kan, tanda orang tu namanya jundi, tadi kangsa kita cilu tu, di dalam tanya, tadi pet kita cumbu di show di dalam dalam tanya, di lawa di tempat jundi luhur pas, oh di dalam cuci jamah di kangsa lama tu, ni cila tengkori, sungguh. Et donc le Bouddha a énoncé ces quatre phénomènes ou objets donc fiables justement pour nous quelque part nous amener à être prudents en quelque sorte et finalement nous protéger de certaines tendances. En effet, si on regarde notre tendance habituelle, c'est que quelqu'un parle, expose quelque chose et si cette personne donc est connue une certaine notoriété, etc., forcément, ce qu'elle va dire va avoir un impact plus important sur notre esprit. On va être plus enclin, en tout cas, à croire ce qu'elle dit, sans aller plus loin que cela. Et là, le Bouddha, par rapport à cela, nous a dit clairement, ne te fie pas à la personne, mais fie-toi à l'enseignement, c'est-à-dire au contenu, déjà. Donc, ne pas se laisser happer par l'aura, quelque part, le charisme de la personne, en fait, mais de s'en tenir au contenu. Donc,
ni takas kau cuma cuma siapa jinih, tanda kalau orang tu si canggih dan canggih juga nampak je ni, ni sih tu aja lah, cuit, sih tu tu. Cukai mama impa, ini cukai netong. Chang dan dan. Ya. Ni tu nampak je ni mah sih aja lah, sih tu aja lah. Alors, lorsque le Bouddha nous amène cette notion des quatre phénomènes ou objets fiables, ce n'est pas dans un contexte général. Il amène cela justement en vue de nous amener à appréhender, en fait, justement, ce que l'on va appeler du contenu de sens définitif et du contenu de sens à interpréter, en fait. Vraiment à faire cette distinction entre les deux. Donc, lorsqu'il va parler donc d'enseignement, ça va pas être forcément, il peut en parler ici donc, au sens large, mais c'est en vue de nous amener progressivement à faire cette distinction-là. Donc on ne se fie pas à la personne, mais on s'en remet, on n'en se remet pas à la personne, on s'en remet aux enseignements. Ensuite, il va plus loin et il nous dit, cet enseignement que tu entends, en fait, ne te fie pas aux mots en fait, que tu trouves ou qui sont exprimés, mais fie-toi au sens de ces mots. Parce qu'en effet, quelque part, on pourrait se laisser éblouir par l'éloquence de certains propos, par exemple, par certains phrasés, par certaines tournures, par exemple, et en perdre le sens et le contenu. Donc, on pourrait se laisser s'égarer par cela. Et donc, c'est pourquoi ici, il nous dit, ne te fie pas aux mots, en fait, donc, ou à la syntaxe, à l'éloquence, à tout ce que vous voulez de cet ordre-là. Ne te fie pas aux propos, mais fie-toi au sens de ces mots, à leur sens. Et donc justement, c'est là où on arrive. Donc ensuite, il nous dit, par rapport au sens, en fait, ne te fie pas au sens qui requiert une interprétation, mais fie-toi, en fait, au sens définitif. C'est-à-dire, remets-toi-en en fin de course, finalement, lorsque tu as deux types de contenu. Remets-toi-en non pas au sens qui requiert une interprétation, mais au sens définitif. Et cette distinction, en fait, entre, je le dis contenu exprès de façon large, le plus large possible, donc des textes, etc. Donc, cette distinction entre du contenu de sens, ou du texte, pardon, qui requiert une interprétation, et des textes de sens définitif, cette distinction remonte finalement aux sutras eux-mêmes, c'est-à-dire trouver des sutras de sens qui requièrent une interpréter, donc, et des sutras définitifs, de sens définitif, pardon. Alors, si l'on regarde où se situe justement cette ligne de démarcation, qu'est-ce qui fait qu'un sutra, donc là on parlera de sutra, qu'est-ce qui fait qu'un sutra est de sens à interpréter ou de sens définitif, selon les conséquentialistes, c'est-à-dire selon l'école des Madhyamika Prasangika. En fait, un sutra qui requiert une interprétation, dont le sens donc, est à interpréter, est un sutra qui expose de manière explicite des phénomènes qui relèvent de la réalité conventionnelle. C'est-à-dire qui expose la réalité relative, qui expose le domaine des apparences, si vous préférez le dire autrement. En fait. Qu'est-ce que, pour les conséquentialistes, les prasangika, qu'est-ce qu'un sutra de sens définitif ? C'est un sutra qui va exposer de manière explicite, c'est-à-dire dit directe, qui va exposer la réalité ultime.
Te indi gane ta sanji sung dabu shige na kolo tangbo dan tamani di changdun jido. Rwa kolo pawa di ngedun jido shagwa res. Et donc, fort de cette explication-là, on comprend naturellement que si l'on reprend en fait les trois tours de la roue du Dharma, donc lorsque le sutra a mis en mouvement trois reprises, donc la roue du Dharma, on se rend compte que les sutras du premier tour et du dernier, donc du troisième, sont des sutras dont le sens est à interpréter. Toujours pour les prasangikas, attention. Et les sutras du deuxième tour de la roue du Dharma sont par contre des sutras, donc de sens définitif. Donc que ce soit finalement les sutras du premier tour comme du troisième tour, en fait, on les considère comme de sens à interpréter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le sens immédiat, le sens profond, au contraire, n'est pas immédiat. Le sens profond n'est pas apparent, en fait. Et il demande, en fait, d'être recherché. Il faut rechercher le sens véritable. Il n'apparaît pas explicitement, en fait, dans les propos tels qu'ils sont formulés. Lorsque l'on va chercher le sens véritable, donc des sutras du premier tour comme des sutras du troisième tour, on se rend compte que le sens véritable, après l'avoir recherché, qu'est-ce que c'est en fait autant de moyens d'obtention de la libération ou de la bouddhéité. Donc, en d'autres termes, autant de moyens de réaliser la vacuité, l'interdépendance. Mais cela à aucun moment n'est présenté de manière explicite, n'est formulé de manière explicite. Gombatado siendo trego wa asle gore sirwa. Gombatado siendo trego wa. Dewa chabore is. Non. En d'autres termes, on dit l'intention finalement, donc le sens véritable ici, l'intention véritable, l'intention, le but visé en fait par ce sutra n'est pas accessible de par lui-même, ou n'est pas accessible directement. Il faut s'appuyer sur autre chose en fait pour le comprendre. Ta kolo pawa di muskora densha inda ta nie dens. Et ça, à la différence des sutras du deuxième tour de la roue du Dharma, qui, eux, sont directement, dans le sens véritable, directement accessibles. C'est-à-dire que, dans ces sutras du deuxième tour, on peut dire en d'autres termes, le Bouddha ne dit pas autre chose que ce qu'il dit, pour le formuler simplement, en d'autres termes. Voilà. Et on en a un exemple flagrant, donc, qui est, et que l'on connaît bien, qui est le sutra de la perfection de la sagesse, le sutra du cœur, la perfection de la sagesse, où il dit, il n'y a ni forme, ni sensation. Il ne dit pas autre chose, il ne dit pas que la forme est ceci ou cela, il dit qu'il n'y a pas de forme, point. En fait. Donc il ne dit pas autre chose, en fait, que ce qui est écrit.
Et c'est le cas donc de toutes les perfections des prajnaparamita, toutes les perfections de la sagesse dans leurs trois versions en fait, hein, longue, courte et intermédiaire. Et donc pour revenir à nos quatre phénomènes fiables, donc tels que nous les a indiqués le Bouddha, le troisième que l'on a vu, c'est que par rapport à ces enseignements donc, sur lesquels on s'appuie, on ne s'en tient pas aux mots, mais on s'en tient au sens, et par rapport au sens, on ne s'en tient pas, en fait, il nous invite à ne pas nous appuyer sur le sens qui requiert une interprétation, mais au contraire, de nous en remettre, en fait, aux écrits, en fait, donc, aux enseignements qui sont de sens définitif. Et on termine maintenant donc le quatrième phénomène fiable donc sur lequel le Bouddha nous a invité à nous appuyer, qui est que justement désormais ce sens définitif finalement, c'est quel type de conscience qui va nous permettre en fait de le valider en fait, de nous assurer que c'est bien le sens définitif. Et c'est là où il nous dit ne t'appuie pas sur les consciences ordinaires, donc sous-entendu sur une conscience mentale ordinaire, donc pas n'importe quelle conscience bien sûr, mais ne t'appuie pas sur les consciences ordinaires au sens de conscience mental ordinaire, mais appuie-toi sur la sagesse supérieure. Donc, ou on pourrait dire, ne t'appuie pas sur une sagesse ordinaire, donc qui relève d'une conscience mentale ordinaire, si vous préférez, mais appuie-toi sur une sagesse supérieure. Et c'est elle qui est le garant, en fait, qui permet de valider ce qui est un contenu de sens définitif, finalement. On peut dire que seule, en d'autres termes, une sagesse supérieure qui réalise directement la vacuité, donc en d'autres termes, une conscience qui fait immédiatement l'expérience de la vacuité, directement l'expérience de la vacuité, c'est bien la seule chose qui peut valider que ce contenu est vraiment de sens définitif, en fait. Et vraiment, c'est la seule chose qui est en mesure de dire oui, la vacuité, c'est bien ça, pour le dire simplement. En fait. Et donc, Jianpoche, donc pour reprendre notre lamrim intermédiaire, nous dit la recherche donc d'une telle vue ici, d'une telle vue, demande de prendre appui sur le sens définitif et non sur le sens qui requiert une interprétation. Je vois d'ailleurs dans cette traduction, ils utilisent le sens provisoire. Vous le trouverez quelquefois dans ce que ça vient du provisional meaning de l'anglais. Donc, bon, c'est tout est recevable, mais ne soyez pas perdus si vous lisez sens provisoire. C'est ce que je rends par sens à interpréter ou qui requiert une interprétation. C'est la même chose. Hein. Donc, Jerry Boucher nous dit, la recherche d'une telle vue demande de prendre appui sur le sens définitif et non sur le sens donc à interpréter. Aussi, il faut-il savoir distinguer ce qui est à interpréter de ce qui est définitif, puis pénétrer ensuite le sens des paroles qui sont de sens définitif. Ah, j'ai compté là.
Temana miglonda chigbare sinesonde sirwa. Non. Et Jinpoche de poursuivre en nous disant de plus, sans avoir recours au traité des grands précurseurs, donc dignes de confiance, qui commentent la pensée donc du Bouddha, vous ressemblerez à un aveugle errant, donc sans guide, sur le au bord d'une falaise. Vous devrez donc prendre appui sur les commentaires impeccables donc de cette pensée ou les commentaires impeccables à cette pensée. Et en effet, ici, donc en d'autres termes, les seuls êtres sur lesquels on peut s'appuyer et donc les seuls commentaires dignes de foi, de confiance, sont ceux des grands précurseurs et en particulier ici, donc du précurseur donc du Madhyamika, donc de Nagarjuna, qui est en mesure de distinguer justement les sutras et donc les textes de sens définitif de ceux qui requièrent une interprétation. Et ici, ce n'est pas une mince affaire, c'est pas juste une vue de l'esprit en fait que de dire cela. Mais Jinpoche nous dit, parce que sinon vous ressemblerez à un aveugle errant sans guide, donc au bord d'une falaise ou d'un précipice. Et c'est exactement ça. À défaut, si l'on ne s'appuie pas donc, sur de tels précurseurs, plutôt que de chercher à nous libérer en fait, du samsara, on tombera sur des moyens qui ne nous feront que nous y ligoter davantage, nous y maintenir, nous y lier encore davantage. C'est ça que l'analogie ici, nous trouver donc au bord d'un précipice, au bord d'une falaise. Et donc, ce n'est pas une mince affaire du tout. Et c'est ce qui se passerait, pardon, si notre compréhension donc de la vacuité donc est erronée et si l'on s'appuie donc sur des textes qui ne sont pas de sens définitif donc, et qui nous amènent à développer une vue erronée de la vacuité. Non. Et donc, il est indispensable donc de pouvoir nous appuyer en fait sur un exposé finalement qui reflète fidèlement en fait la pensée ou l'intention, la pensée du victorieux du Bouddha. Et le seul finalement donc dont les exposés sont en tout point fidèles donc à la pensée du Bouddha, du victorieux, encore une fois, quant à ce sujet-là, c'est Nagarjuna. Or, ce protecteur Nagarjuna, le Bouddha Shakyamuni lui-même avait prophétisé sa venue. Donc pour nous situer dans notre plan, donc on est toujours sur le fait de nous appuyer sur des êtres excellents et on est à ce deuxième point qui nous donne l'importance de suivre l'un des grands pionniers correctement. Et Jinpoche nous dit qu'en effet, dans de nombreux sutras comme des tantras, victorieux, donc le Bouddha Shakyamuni, a très clairement prophétisé, prédit que le supérieur nommé Nagarjuna, qui serait réputé dans les trois mondes, serait l'exégète, donc le commentateur, en fait, du sens profond. Donc de son intention et de son enseignement, un exégète qui serait libre des deux extrêmes, donc de tout extrême d'existence comme d'inexistence, et qui toucherait par là même donc l'essence même de l'enseignement. Et il nous dit, vous devrez alors rechercher la vue qui connaît la vacuité en vous appuyant donc sur ses ouvrages, sur les ouvrages donc du protecteur Nagarjuna. Tadi long tembe long di tangguh kontajik dewa langgar siapa long di,
Los. Et donc, en effet, donc on peut citer ici donc justement l'une de ces sources, des sources de cette prophétie, donc qu'on va retrouver dans le sutra de l'entrée à Lanka, dans laquelle le Bouddha dit au sud de la région de Peta vivra un moine pleinement ordonné appelé Pelden, qui aura reçu le nom, ou le diminutif si vous préférez, de Naga, qui élucidera la différence entre existence et inexistence, et ayant parfaitement exposé dans le monde le grand véhicule insurpassable, il actualisera la terre parfaitement joyeuse, ça veut dire la première terre de Bodhisattva, et il migrera vers Sukhavati, c'est-à-dire la terre pure de la grande félicité. Mmh, bien. Ça, c'est la prophétie, non, pardon, qu'on retrouve dans le sutra de l'entrée à Lanka. Le sutra, pardon, de l'entrée à Lanka. Le Lanka Vatara Sutra, vous entendez des fois, Lanka, L-A-K-A, L-A-N-K-A. Aucune idée, c'est ton boulot. Je ne sais pas. Ton ordinateur. C'est vrai que les mises en page de textes diffèrent considérablement entre les textes tibétains et les textes français, l'organisation, la structure des textes. Et c'est vrai que de ce côté-là, j'ai dit que les mises en page occidentales sont quand même beaucoup plus aisées, parce que les paginations se font dès le début, donc voilà, les chapitres, etc., c'est, tout apparaît beaucoup plus clairement. Avec le temps, on s'y est mis, Keshe-la, mais c'est assez récent. Et c'est vrai que, voilà, c'est pas évident de trouver une partie dans un texte, quelquefois. Ganda. Je présente ses excuses au nom de tous les Tibétains. Yeah, oh, this. That the day in the Ganada, Gomulu said it, a penitent, Sanji Ranga Lung Tenshawa, Shinda Suji, Jamangumbala, Tabachim Bugichu, Nisujingi, Dia, Roa, Changi, Yawa, Tada Jingi, and the Yebeta, the Mebeta, Sea, Uma, Tada, then Tongaji, Yungri, Sine. Et le Bouddha lui-même avait éprouvé, peut-on dire, le besoin de faire cette prédiction, cette prophétie, en ce sens qu'il savait pertinemment que viendrait un moment où sa doctrine, en particulier celle du grand véhicule, déclinerait. Et donc, il a prédit la venue donc, dans ce monde de ce supérieur, donc de cet Acharya, donc Nagarjuna, qui serait donc en mesure de distinguer justement ce qui, enfin, de distinguer la différence entre l'existence et l'inexistence, préservant ainsi, en d'autres termes, donc de tomber dans l'extrême d'existence ou l'extrême d'inexistence, et serait en mesure ainsi donc de présenter clairement donc la distinction entre des contenus de sens définitif et des contenus dont le sens requiert une interprétation. Voilà. Et ensuite, pour le reste de la citation, donc le texte est assez clair. Non. Et pour terminer, donc le Bouddha nous renseigne sur le devenir donc de Nagarjuna, nous disant qu'il migrera par la suite vers Sukhavati, donc la terre pure de la grande félicité. Et donc, si cela pouvait nous arriver à nous aussi, donc de migrer vers Sukhavati, ce serait une excellente chose. Tatong shudoge. Tatong shudoge. Tewachen la shudoge.
Alors Gachela n'en doute pas une seconde. Pardon, Christian plaisantait en disant peut-être que depuis il n'y est plus à Sukhavati. Et Gachela dit bien sûr que si. Et donc fait partie de l'entourage donc de ces Bouddhas donc qui enseignent donc qui oui, manifestent là. Ça va. On fait quoi? Rien. Méditation 2h15. Là, rien. Là, à côté. Tombagne de jour. Absence. Avant le repas. Tombagne, ça me dangereuse. On méditait sur l'avocaté pendant en mangeant. Nourriture. Comment? Candicitos, là, non? Comment il est? Tenez, tu ne m'as pas, ça me tend. Prenez un moment, lorsque vous aurez votre assiette pleine, en fait, de regarder cette nourriture et de vous demander comment existe cette nourriture et de voir qu'il n'y a strictement rien qui existe de son propre côté, qu'elle existe simplement donc en dépendance, de manière interdépendante. De réaliser par la même, d'extrapoler ensuite par la même que, à l'instar de cette nourriture, il n'existe pas un seul phénomène qui existe de manière indépendante. Et vous avez l'opportunité également, à travers cette assiette donc, que vous aurez devant vous, de voir en fait que oui, cette nourriture est interdépendante, à de multiples niveaux d'interdépendance. Et l'un d'entre elles, par exemple, c'est de voir que cette nourriture vient en dépendance d'autres êtres, donc, et de voir tout ce que vous devez aux êtres, finalement, du fait de pouvoir jouir de cette nourriture-là, de cette assiette-là. Et de penser que c'est justement donc en prenant conscience de tout ce que vous devez en fait aux autres et pour manifester en retour donc votre gratitude donc que vous allez consommer donc cette première partie de cette boisson, cette nourriture, en fait, justement, dont vous allez vous allez savourer, en fait, personnellement, mais en vue, justement, donc, de pouvoir leur être bénéfique, de pouvoir leur rendre, en fait, cette bonté. Et ça, donc, de déguster ainsi et savourer jusqu'à ce que l'assiette soit vide. Donc, mais là, au sens physique du terme, si je peux dire. Et là, vous pourrez aussi méditer l'absence de nourriture. C'est compliqué. Donc, on enlève cette plaisanterie de la fin, mais par contre, le fait est que que ce soit cette nourriture, donc cette assiette, cette nourriture, soit même qui allons la consommer, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre dedans, mais non, tout ça est vide, en fait. Tout ça est vide, cette boisson que vous allez, que vous avez, etc. Donc, tout ça est complètement vide, donc de la moindre trace d'existence propre, de la moindre trace d'existence intrinsèque. Et c'est justement parce que c'est vide, c'est-à-dire parce que c'est dénué de la moindre existence intrinsèque, c'est pour ça que cela peut fonctionner, en fait. Que cela peut exister, que cela peut fonctionner. Surtout, je travaille, non ?
Parce que s'il y avait quoi que ce soit qui existait de manière intrinsèque, il n'y aurait aucune modification possible, aucune transformation possible. Si quelque chose existait de par lui-même en tant que tel, de manière indépendante, il dépendrait de rien d'autre, donc il ne pourrait pas interagir avec autre chose, et donc changer, se transformer, etc. Et si vous utilisez, donc, si vous faites cela donc, à de multiples reprises, et comme vous le voyez, quelles que soient les conditions, donc, alors que vous apprêtez à manger, alors que vous apprêtez à boire ou à faire n'importe quoi d'autre, c'est pareil, en fait, vous pouvez finalement vous servir de telles occasions, on ne peut plus banales, finalement ordinaires, pour amener justement meilleure compréhension donc, de la vacuité, d'une part, donc, de l'interdépendance de la vacuité, et de tout ce que vous devez, tout ce que chacun d'entre nous doit aux autres. Yeah. Merci. Merci beaucoup et à tout à l'heure.